grâce à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux, les cieux. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses, délivre-moi par ta parole. Seigneur, pour
je n'oublie pas ta loi. Lève ma cause devant moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Non, persécuteurs, mes oppresseurs, je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et mes cœurs. Ils n'observent pas la promesse. Toi, si j'aime tes préceptes, en ton amour, vivifie-moi. Vérité est le principe de ta parole. Ô l'éternité des jugements, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Psaume 23. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers. Lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur. Et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes perdu. Il a vraiment pris nos vanités. À lui la bénédiction du Seigneur. La justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent. Ils poursuivent ta face, Seigneur. Porte, levez vos frontons. Élevez vos portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Le Seigneur, le fort et le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats, au Dieu et au fronton, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. Salut le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, amen. Bien.
25. Justice pour moi, Seigneur. Moi, je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur. Je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour. Moi, je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe. Chez l'hypocrite, je ne veux entrer. J'ai laissé le bâti. Avec les impies, je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en l'innocence. Je tourne autour de ton autel. De ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils sont dans les mains d'infamie, leur droite est pleine de profit. Mais moi, je marche en ma perfection. Lâche-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Il partagera l'héritage des nations, tu diras aux prisonniers sortez. Chemin. Sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié de sera leur guide, il la conduira aux eaux jaillissantes. Se
ciels tressaillez d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. S'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire, Père tout-puissant, à son Christ le Seigneur. Et lettre sur la prière du Père Caffarel. Dieu est en nous, au cœur de notre être, présent, vivant, aimant, actif. Là, il nous appelle. C'est là qu'il nous attend pour nous unir à lui. Dieu est là, mais c'est nous qui n'y sommes pas. Notre existence se passe à l'extérieur de nous-mêmes, ou du moins à la périphérie de notre être, dans la zone des sensations, des émotions, des imaginations, des discussions, dans cette banlieue de l'âme bruyante et inquiète. Et s'il nous arrive de penser à Dieu, de désirer le rencontrer, nous sortons de nous-mêmes, le cherchant au dehors, tandis qu'il est au-dedans. Nous ignorons les sentiers de notre âme qui nous conduiraient en la crypte souterraine et lumineuse où Dieu réside. L'oraison, c'est quitter cette banlieue tumultueuse de notre être dont je parlais, c'est recueillir, rassembler toutes nos facultés et nous enfoncer dans la nuit aride vers la profondeur de notre âme. Là, au seuil du sanctuaire, il n'est plus que de se taire et de se faire attentif. Il ne s'agit pas de sensations spirituelles, d'expériences intérieures. Il s'agit de foi, croire en la présence. Adorer en silence la Trinité vivante, s'offrir et s'ouvrir à sa vie jaillissante, adhérer, communier à son acte éternel. Peu à peu, notre vie extérieure deviendra la manifestation, l'épiphanie de notre vie intérieure. Elle sera sainte parce qu'au fond de notre être, nous serons étroitement unis au Dieu Saint. Elle sera féconde et des fleuves d'eau vive s'échapperont de nous parce que nous serons branchés sur la source même de la vie. Thank you.
ici-bas, qu'ils deviennent fous pour devenir sages. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit. C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il dit encore, « Le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. » Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Car tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. À ceux qui pensaient que l'Église se constituerait autour de chefs, qui rassembleraient autour d'eux selon des critères humains, comme on se regroupe dans le monde autour de plus sages, de plus intelligents, de plus forts, de plus influents, de plus fascinants, pour être derrière celui qui nous fera réussir, celui qui réussira à nous conduire où nous désirons parvenir, fût-ce au Christ. Paul répond en renversant le modèle. Parce que Dieu lui-même avait averti que cette sagesse-là, devant lui, serait renversée. C'est que dans la toute jeune église de Corinthe, nous l'entendions ces derniers jours, on avait un peu commencé comme cela. On avait entendu Pierre, Paul, Apollos, on avait été convaincus qui, par la sagesse de l'un, qui par l'habileté de l'autre, et l'un se disait de Paul, l'autre d'Apollos ou de Pierre. Mais si cet élan paraît compréhensible, Paul y oppose le seul argument qui tiendra depuis et pour tous et pour nous. Vous n'êtes ni de Paul, ni de Pierre, ni d'Apollos. Vous êtes du Christ. Il est l'unique modèle, il est l'unique chef, il est l'unique voie. Que personne ne se glorifie dans des hommes qui pourraient se trouver derrière soi ou devant soi. Mais plus fondamentalement, ce qui renverse la perspective et rejette du même coup hors de l'Église tout esprit de parti, c'est le verset qui précédait immédiatement notre texte. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Le sommet de l'Église, son point focal, son centre, c'est le cœur de l'homme, parce que Dieu a choisi de vivre là. Le grand désir de Dieu, le grand dessein de Dieu, la grande œuvre de Dieu accomplie en Jésus, c'est d'être avec l'homme, Dieu avec nous, et non pas à son côté seulement, mais de demeurer en lui. Par la grâce du Christ, nous sommes devenus le temple de Dieu. C'est cette dignité incroyable qui est la grande bonne nouvelle, la grande nouveauté de l'Évangile. C'est de cette dignité que le chrétien doit prendre conscience, c'est vers elle qu'il doit regarder. C'est à elle qu'il doit se laisser conformer,
C'est elle qui doit orienter son agir, son être. Et c'est au service de cette vocation extraordinaire, de cette inhabitation de Dieu en nous, que Paul, Apollos, Pierre ont choisi de se mettre, et à leur suite, tous les pasteurs. C'est là le point focal de tout élan pastoral. Tout est à vous, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, parce que vous êtes au Christ, pour que vous soyez au Christ, comme le Christ est à Dieu. Toute mission dans l'Église est au service du cœur de l'homme. C'est par lui seulement que le salut pourra se répandre dans l'Église et par elle à tous les hommes. Prends pitié de nous.
Enseigne-nous la sagesse évangélique, qui est le sûr moyen d'avancer jusqu'à toi. Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Ils sont là, chantant à Dieu.